crois que t'as réussi. Ah oui, j'ai bon. Et maintenant, à moi le grand jeu. Merci, ma chérie. Il ne manque rien. Parfaitement, monsieur Lavard. Ah, oh, pauvre monsieur Toninette, il est dans un piteux état, vous savez. Oh, un terrible accident. Terrible. Oui, oh, absolument terrible. Oh non, je crois qu'il ne faudra pas compter sur lui. Comment? Oh, mais pire que ça, je vous dis, pire que ça. Vous voulez? Très bien, monsieur Lavard. À tout de suite. C'est une catastrophe. Et naturellement, vous ne pouvez pas chanter. Bon. Essayez, voulez-vous? Essayez. Mais non! Oh non, 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 non! Me voilà jolie. Moi, vous croyez que je suis jolie? Et naturellement, je débute demain soir. Et vous êtes le clou de ma revue. Comme la fenêtre, j'ai un courant d'air dans le cou. Oh, fermez votre bouche, c'est votre dent cassée. Oh, c'est vrai. Et comment avez-vous fait ça, mon cher? Comment avez-vous fait ça? Vous êtes saoulé, naturellement. Oh non, non, avec mon foie qui gonfle pour faire chaleur. Mais je vous réclamerai des dommages et intérêts formidables. J'ai dépensé 2 millions, monsieur, pour monter cette revue. 2 millions, vous m'entendez? Oh, mais ça ne se passera pas comme ça, ça ne se passera pas comme ça. Qu'est-ce que vous ferez encore, mon Dieu? Je vous attaquerai, monsieur. Oh, une attaque de plus ou de moins. Bravo. Monsieur Navarre, monsieur Navarre, qu'est-ce qu'il y a? Vous vous rappelez de moi? Quoi? C'est la recommandation des petits poires. Oui, bien, au fait. Je peux vous sauver, monsieur. Mais comment, monsieur? Je débute demain. Allez, 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 je vous fais voir. Venez. Là, asseyez-vous ici. Là, comme ça. Pardon, monsieur, je... Asseyez-vous. Allez-y maintenant. Allez-y. Comme je vous le disais tout à l'heure, la revue des Folies Parisiennes est un véritable triomphe. Monsieur Navarre, son sympathique directeur, n'a reculé devant aucun sacrifice. Il va nous présenter, maintenant, une attraction inédite, les Trois Argentins à Montmartre. Le rideau vient de se lever sur un magnifique patio andalou tout ensoleillé. Monsieur Renat, comment allez-vous? Vous me connaissez donc? Très bien, de Benevers, Gaston, le manager de Caruso et Toscanini. Qu'est-ce que vous pensez de ce numéro-là? Oh, épatant. Magnifique, hein?